Deux jours après le Grand Prix du Brésil, Sébastien Vettel s'est rendu à Viry-Châtillon pour rencontrer les 250 membres de Renault Sport F1. Depuis qu'il roule pour Red Bull, le double champion du monde a chaussé ses bottes de 7 lieues. 4 pole positions en 2009, 10 en 2010 et 15 en 2011. On apprend tous les jours. Mais l'année 2010 a été spéciale. On a fait beaucoup d'erreurs. Parfois, on n'a pas eu de chance aussi. Mais on a appris beaucoup de choses. Et du coup, en 2011, on a retenu la leçon. On a fait très peu d'erreurs. Même si on peut évidemment s'en servir pour l'année prochaine. Mais dans l'ensemble, ça a été une bien meilleure saison. Donc, on peut vraiment être fier. Sébastien Vettel, très fier de son parcours en général, difficile donc pour lui de ne retenir qu'un souvenir en particulier. C'est dur de choisir un seul moment fort. Il y en a eu de nombreux cette année. La victoire à Monaco, la victoire à Monza surtout, car ça faisait 2 ans qu'on se faisait battre. Donc c'était important pour nous de s'imposer. C'était une victoire très spéciale pour Renault car après les 2 ans qu'on a eu, on a été très critiqués sur la puissance du moteur. Alors revenir et dépasser tout le monde cette année, c'était génial. Très belle saison donc pour le pilote allemand, mais également pour Red Bull, son écurie qui a décroché le titre constructeur.